oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ça. Oh là 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 là. Par contre, j'ai un problème. Ok. On va essayer de régler le problème, là. J'ai un problème, regardez. Paf. Ici. Chemin de fer. Bon, pour l'instant, c'est anarchique, hein. C'est parce que je fais des tests. Chemin de fer, charbon. Ici. Tac. Charbon, charbon, charbon. Le problème, c'est que ici, là au-dessus, hop, chemin de fer, fer, ok. Et là, boum, j'ai pas compris le système de signalisation. Donc un jour, il va y avoir un accident. Donc j'ai pas compris le système de signalisation, donc j'aimerais bien comprendre ça, pour empêcher les trains de se taper dessus. Donc pour ça, je m'étais dit, il faut mettre de la signalisation dans ce sens-là. Ah, comme ça, comme ça. Et alors? Et alors, le problème, c'est que ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Ah, je peux mettre là. Comme ça. Attends, et alors là? Tac. Tac. Non. Tac, tac, c'est comme ça? Compliqué, hein. J'essaie de le faire sans tuto, du coup, c'est quand même une belle galère, hein, sans tuto. Pas sûr de bien comprendre. Parce qu'ici, c'est rouge pour lui. I don't understand. Donc ici, par exemple, je peux lui dire... Tac. Tac. Ah mais non, c'est juste dans un sens, en fait, je m'en fous. C'est pour aller vers là-bas. Pour aller vers là-bas, voilà. Là, pour aller vers là-bas, voilà. Et donc, en bas, j'ai deux gares. Et j'arrive pas à faire fonctionner ça. Sans tuto, c'est compliqué. C'est d'ailleurs peut-être pas recommandé. Je vais rentrer dedans, je vais conduire, voir ce que ça fait. Il est encore en automatique, je vais le mettre en manuel. Voilà. Voilà. Donc là, tac. C'est rouge. Ah, là ça devient rouge, il peut plus aller. Ok, donc ça marche. Il y a un train sur cette voie, donc ça devient rouge. Et là-bas... Suspense. Normalement, ça devrait être rouge. Les deux devraient être rouges. Ouais, les deux sont rouges. Et là, je passe là. Ça va devenir vert. Ouais, ça devient vert. Ça devient vert. Donc, il donne bien la signalisation pour aller sur ce tronçon. Donc là, c'est bien. Et... Ah, voilà. Et là, voilà, c'est rouge. Ok, ok, je pense que je suis bon. Donc maintenant, lui, il est dessus. Donc je vais devoir l'amener jusqu'à la gare. Manuel. Je rentre dedans, je l'amène à la gare. Il est en manuel, là. Manuel. Hop, je l'amène à la gare. Voilà, là c'est devenu vert. Ok, ok. Et maintenant, automatique. Et il va au bon endroit. Et normalement, c'est bon. Si je ne m'abuse. Et le pétrole, est-ce qu'on le voit sur map, le pétrole? Parce que j'ai investi dans beaucoup de radars, histoire de découvrir le pétrole, mais je ne le vois pas. Je ne vois... Donc j'imagine qu'on le voit pas sur la map, le pétrole. Je sais même pas à quoi il ressemble, en fait, le pétrole. Ça aussi. Ah, aucun chemin d'accès, il dit. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Ça, j'aime pas. C'est un groupe de points violets. Ok, et on le voit sur les maps. C'est vert, là. Pourquoi il veut pas aller? C'est vert là, je vais aller voir d'autre côté. Mais les signaux, ils disent vert, ils disent tous vert les signaux. Alors oui, probablement que si je les enlève, ça va fonctionner, mais j'ai deux trains qui vont sur cette voie, donc à un moment, je vais avoir un gros carambolage sur les bras. Et si je l'enlève, là il démarre toujours pas. Et le feu est rouge là maintenant, du coup. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il arrive? Non, il vient pas. Ah si, il vient. Donc les signaux bloquent, mais bon, moi j'ai besoin des signaux. J'en ai besoin de ces signaux, moi. Sinon je vais avoir un accident sur les bras. Le blanc. Bah le blanc c'est juste pour en mettre un en face, hein. Non? Regarde, c'est juste pour en mettre un en face.
C'est juste pour empêcher, c'est juste pour mettre un feu, pour voir si le train peut aller dans l'autre sens. Mais je m'en fous, moi, de ça. Il pourra toujours aller dans l'autre sens parce que j'ai qu'un train qui va sur cette voie. Ah, ou alors ça doit être vert, là. Là. Pourquoi ils sont fantomatiques? Pourquoi ils sont fantomatiques? Je peux le mettre comme ça? Voilà, là, il est plus fantomatique. Ah, je dois avoir un signal. Tu crois que c'est ça le problème? Je vais prendre ma voiture, je vais la mettre de l'autre côté. Mais là, du coup, c'est devenu rouge! C'est quoi cette merde? Ah oui, j'ai un train sur la voie! Oui! Je pense que ça règle le problème. Je vais me faire écraser, je vais me faire écraser. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Ok, enter. Je vais aller voir de l'autre côté, du coup. Parce que sinon, il pourra plus partir. Yes! Aïe! Ma voiture! What? Mais ma caisse! Oh, la violence de l'impact! Ah, ça one-shot la voiture! Vite, je vais aller me faire une autre voiture. Bon, je vais régler ça d'abord. Sinon, je vais m'éparpiller et ça va être le bordel. Voilà! C'est vert, les gars, vous pouvez y aller. Hop. Parce que là, ah, il y a un train qui est sur la voie. Oui! Ça marche! Et il y a l'autre train qui arrive aussi! Et normalement, c'est libéré. Oui, il y va! Oh là là, c'est beau! Regardez, regardez! Ouais! Oh, fuck, je suis refait! C'est trop bien, j'adore les trains! Je suis comme un gosse! Ma bagnole éclatée. Mais qui a besoin de bagnole quand on a des trains? Oh là là, la quantité de fer qui arrive! Mais franchement, ce serait pas bien que je fasse dans genre dans le désert. Imaginez un petit peu, imaginez. Dans le désert, une énorme fonderie. Bonjour Jason Bourne. Écoute mon plan, il est pas fou. Une énorme fonderie dans le désert. Je fais acheminer les minerais par cargaison entière. Je crame tout et puis j'amène les plaques de fer là où je construis. Vu que le minerai de fer, on n'utilise que des plaques de fer. Ça sert à rien de garder du minerai. Parce que là... Mettons, je fais une grosse fonderie. Ça veut dire que ici, là... En fait, je peux virer tout ça. Le cuivre, je vais le faire venir d'ailleurs. Là, il n'y a plus de cuivre, de toute façon. Je mine plus rien en cuivre. Je vais virer ça, je vais mettre des fours là. Comme ça, je vais pouvoir faire aller directement des lignes entières de minerais vers mes fours. Ou à l'horizontale pour avoir 4 rangées... il faut 8 rangées de fours, quoi. Quoi? Je vois grand, moi. Hein. Je vois grand. Attends. Là, ça. Voilà, paf. Là. Ça, ça va être la première fournée. Ah oui, mais il faut que le charbon arrive aussi. Ah ouais, merde. Ça, c'est chiant, le charbon. Les fours électriques, c'est plus facile? Ah oui, il faut pas de charbon. Mais attends, je peux les faire, non? Si on veut les fours, là. Four... Ah non, je peux pas encore. Attends, c'est quoi les fours électriques? Les fours électriques... traitement avancé des matériaux... plus rapide... recherche. Four. Ah non. Donc il me faut des potions bleues. Ok, bon bah go potions bleues. Go potion bleue. Attends, parce qu'ici j'ai foutu le bordel du coup dans ma prod. Non, ça va. Ça va, tout part de là. À la limite, voilà. Tac, je fais aller ça là, boum. Voilà, on se débrouille. Allez, hop. Paf. Voilà, bon, la prod va être un peu bloquée pendant ce temps là. Alors, les potions vertes. Convoyeur et bras robotisés. Easy. Ah non, c'est les bleus que je vais faire. Soufre, ben voilà, c'est ça, voilà, c'est ça le problème. J'ai pas de pétrole. Il me semble que pour faire du soufre, faut du pétrole. Ah, il y en a partout, là, des adversaires. Ah oui, ils sont énormes. Ils sont plus gros que ma bagnole. Ah! Allez, il y a du pétrole. Là, il y a du pétrole.
Ok, je vais devoir les défoncer, eux. Ya! Merde! Un caillou! Telle la voiture de Arthur Weasley quand il vient sauver des araignées géantes. Ya! Ouais! Le pétrole est à nous! Je vais défoncer les mecs là-bas aussi, tant qu'à faire. Ya! Ah, c'est beau! Et quoi maintenant? Une bonne chose de faite! Et donc ça, en fait, je le place là au-dessus. Ah oui, c'est bien. Comme ça. Et là, je fais des poteaux. Ah, ça raffine. Ça y est. Ah, et ça, je vais le mettre dans un camion citerne, c'est ça? Dans un wagon citerne. Comment j'enlève ça? Ok, droit dessus et pouf, ok. Et là, mes wagons citernes. Hop, doivent être devant, hop, devant. Pas devant, ça. Comme ça, alors. Paf, paf. Et là, je peux mettre locomotive et locomotive. Je vais mettre un petit coup de rail en plus ici avec un arrêt. C'est ça, hein? Je suis pas fou. Ah si, je suis peut-être fou, mais... Ouais, là, comme ça. Bam! Et là, ça pompe rien parce que c'est pas connecté. Donc bim. Bim. Connecté là. Connecté ou pas? Les pompes, elles sont remplies. Elles sont énergisées. Mais elles pompent rien. Vitesse de pompage, zéro. Vitesse de pompage, zéro. Et là, on est d'accord que ça arrive bien, quoi. Je vais essayer de mieux mettre la citerne, peut-être. C'est pas ces wagons-là. Ces wagons-là. Ah! Oh! Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Y'a rien qui a changé? C'est quoi ce vieux bug? Et là, ça fait rien. Ok, citerne. Paf. Mais... Je fous de ma gueule. Hop, hop. Voilà. Tac, avec un arrêt ici. Et je verrai comment je fais. Donc ici, arrêt, paf. Voilà, ici, ça se remplit. Nickel. Et là, maintenant, hop. Je vais faire pareil, mais pour le cuivre. Et le cuivre, il est là-bas à l'est. Je vais prendre des grands poteaux. Non. Ouais, mais c'est ça le truc. Hein. Le, en fait, c'est ça. Tu dis prioritiser, mais c'est super chaud parce que tu traînes une demi-seconde, tu vois plein de trucs. Et surtout là, ben voilà, j'ai voulu améliorer mes fours de fer. Du coup, j'ai retiré de la prod de cuivre. Et maintenant, je suis dans la merde parce que je pensais que ça allait plus vite. Mais je me suis rendu compte que si je voulais optimiser ma prod de fer,
fallait que j'ai du pétrole pour pouvoir faire des fours électriques. Et voilà. Et voilà comment on se fout dans la merde. Oh là là, j'ai l'impression de le méchant dans Avatar. Je vais sur la planète Navi pour tout cramer. Baf. 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 Mais voilà. Bah là, on se demandait comment c'était possible, par exemple, de rejoindre. Parce que j'ai jamais testé de mettre du multi sur ce jeu. Et je suis curieux. Mais non, c'est ça que je dois mettre. Paf. 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 Bras. Parce que ça devient beaucoup à gérer, là, pour une personne. Ici, je me fais attaquer de toutes parts. J'ai trois gares qui tournent à plein régime. Beaucoup de choses pour une petite personne. Le charbon dans les trucs, c'est indispensable. Celle-là, elle s'appelle Flippity Flop. Flippity Flop, voilà. Je sais que Flippity Flop, c'est la gare du cuivre. Tu vois, je m'en rappelle bien. Pas besoin de donner des vrais noms. Alors ici, je vois que les armes sont encore améliorées et améliorables. Boum ! En recherche. Donc tac, flippity flop. Itinéraire, j'ajoute. Bah, elle est où flippity flop ? Ça c'est flippity flop, on est d'accord ? Ouais. Ajouter une station. Flippity flop, pourquoi je peux pas ? Pas complet. Oh, il voulait pas. Elle est bien connectée, hein. Ouais, elle est connectée au train. Bah oui. Il me semble. Ouais, je pense que c'est bon. Maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté mettre une gare, parce qu'évidemment, j'en ai pas encore mis. Hop. 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 Un poteau par bras. Pff, c'est nimpe. Tac, tac. Tac. Ouais, je vais refaire. Je pense que je vais refaire à zéro, hein, tous les trucs. Parce que là, là, je suis trop à l'étroit. Hein. Mais oui, elle est dégueulasse cette gare. J'en suis bien conscient. Ekus Bekus. Dans l'autre sens, évidemment. Pourquoi ne pas plus me contrarier ? J'essaye d'être organisé, mais franchement, c'est chaud. Et surtout, sans regarder de tuto sur Internet, franchement... Mais si je commence à faire ça, moi, déjà là, c'est grave. Hein. Hier soir, j'ai joué jusque tard. Hein. Ce jeu m'a eu.